Salut à tous, bon ben nous voilà revenus dans le quatrième épisode, le plus important, parce que c'est là où tout va commencer. Alors comme je vous disais à la fin du troisième, si vous avez suivi ma vidéo jusqu'au bout, on est arrivé à Ouaga avec Marcus. Donc là, j'avais pas vraiment de plan pour location de voiture, surtout la location d'un 4x4, parce que je l'avais jamais fait encore au Burkina. Donc bah, j'ai opté pour l'hébergement dans le centre d'accueil des missionnaires de Notre-Dame-de-Lorette à Ouagadougou. Donc c'est religieux. Ouais. Ce sont des religieux, mais bon, ils acceptent tout le monde, tous les voyageurs. Et ça a l'avantage d'être agréable, calme, propre. Et donc ce sont des frères qui s'occupent de faire marcher l'hôtel, quoi. On arrive à l'accueil et puis bon, bah, on veut réserver deux chambres. Seulement, bon, l'hôtel est pratiquement complet. Mais il y avait des grandes chambres avec deux lits. De libre. Donc on a pris une grande chambre avec deux lits. Donc c'était pratiquement un appartement. Hein. il devait y avoir 30 mètres carrés de chambre. Les deux lits bien séparés, bien éloignés. Donc on avait chacun nos aises. Petite table pour poser nos valises et nos affaires. Et puis un cabinet de toilette, WC, douche, lavabo. Enfin, agréable et surtout, surtout, il y avait de l'eau chaude parce qu'au Burkina, l'eau chaude c'est quand même un luxe. Donc, on s'installe, on va voir à l'accueil pour savoir comment on peut faire pour louer une voiture. Et donc là, je connaissais un petit peu pour l'avoir rencontré avec André. Le responsable de l'hôtel, ses frères, je sais plus comment, je me rappelle plus son nom, mais enfin il nous a bien reçus, il est sorti de son bureau, il est venu nous voir et on lui explique notre problème. On lui dit il nous faudrait un 4x4 et à qui on peut s'adresser pour ça. Ben, il me dit je connais, il n'y a pas de problème, je vais vous donner sa carte. Et puis, bah, vous voyez avec. Et donc, ce frère, il se retourne vers Marcus, et puis il lui dit, bah, avec lui, il n'y a pas de problème, vous avez un très bon guide. À la suite de ça, on a téléphoné au loueur de voiture, en lui disant, il nous faudrait un 4x4 bah, pour une vingtaine de jours, qu'il est venu. Il est venu et a porté son 4x4 dans la cour de Notre-Dame-de-Lorette. Et puis on a vu avec lui. Et bon, c'est pas donné, hein, mais à deux, il faut compter à peu près entre 50 et 60 euros par jour de location de 4x4. Bon, c'est un luxe au Burkina, hein, parce que ce prix-là, ça correspond à un mois de salaire d'un ouvrier. Alors, c'était un vieux pétrole, mais c'est ce qu'il nous fallait pour aller là où on voulait aller. À Notre-Dame-de-Lorette, on est resté 2 jours. Le temps d'avoir la voiture, nous préparer et puis bah, de se mettre en route. Pour le lendemain de notre négociation avec le chauffeur, le matin, on charge nos affaires. Et puis on se met en route par la N1, la nationale 1. Bon, on roule, tout se passe bien. Et puis arrivé à Sabou, oh, je dis au chauffeur, écoute, si tu peux t'arrêter parce que Marcus il connaît pas. Il s'arrête et puis on se retrouve, bah, comme André nous avait fait la visite, au bord de l'étang. Avec les crocodiles. Et alors là, Marcus, ouf, un temps d'arrêt. Oh, j'ai dit, t'inquiète pas, tu vas voir, c'est pas mal hein, à voir. Hein. Et
Je ne sais pas ce qui m'a pris à un moment. Je dis à Marcus, écoute, t'as le chapeau de Crocodile Dundee. Eh, ce qu'il faut que tu fasses, c'est pour moi, pour que je puisse faire des images, parce qu'il me les faut ces images. Alors, ce que tu vas faire, tu vas contourner le croco qui est là, et puis tu vas aller lui tirer la queue. Oh, Marcus, il est devenu tout blanc. Mais bon, il ne pouvait plus reculer, puisque... voilà. Donc, avec l'aide de notre guide qui était avec nous, parce que bon, on ne laisse pas aller les gens comme ça autour des crocos, sans quelqu'un de compétent pour au cas où, on ne sait jamais. Alors, Marcus, il va avec lui, il contourne le croco, et puis il lui tient la queue tant que je fasse ma photo, quoi. Donc ça, c'était le moment marrant de... Voilà, alors Marcus, il a vu les crocos, il les a vus de près, il les a touchés. Et donc, on se remet en route, direction Bobo Dioulasso. Donc Bobo Dioulasso, c'est, je dirais, un petit peu touristique. Bah, y a un grand monument à Bobo, c'est la mosquée. C'est une des plus grandes de l'Afrique de l'Ouest. Et on a fait la visite. Et puis, on a circulé un petit peu dans les rues, dans les ruelles. On est allé voir un petit peu... on a joué les touristes. Et il y avait des gens qui préparaient des choses dans la rue, il y avait des enfants qui jouaient, l'ambiance africaine. Mais bon, ça c'était du tourisme pur sur la route, on ne s'est pas attardé plus longtemps. Il y a une chose qu'il faut que je vous précise aussi, c'est qu'on est allé vers l'ouest du Burkina, alors que bon, je connaissais bien l'est avec André. Mais j'avais vu un reportage, moi, à la télé, sur les mines d'or de Poura. Alors c'est une mine d'or qui avait la particularité, parce que je dis qu'il y avait, parce que vous allez voir, qui avait la particularité, il n'y avait que des femmes qui travaillaient à la mine. Et je voulais voir, et puis comme on était venu là pour l'or, autant aller vraiment au cœur du truc. Après notre visite à Bobo Dioulasso, on s'est remis en route direction Banfora, parce que c'était dans la zone où on voulait aller, hein, c'est pas loin de Poura. Et on a cherché un hébergement, alors un hôtel qui soit correct. À Banfora, sur le bord de la route, il y avait Hôtel Calypso, une grande pancarte Hôtel Calypso. Bon, on s'est dit, on va aller voir. Et on est arrivé devant l'hôtel. Ah là, on s'est dit, c'est peut-être pas pour nous. C'est peut-être pas dans notre budget. Parce que c'était un hôtel, il était constitué de cases individuelles. Elles étaient faites avec de la belle pierre de taille, bien taillées, bien ajustées, elles étaient rougeâtres, c'était de la pierre de lave, et c'était joli. Alors, Marcus, il me dit, écoute, on va quand même demander. Et là, on tombe sur un Français. C'est un Français qui avait créé cet hôtel, un Breton. Il est atterri là par hasard. Et puis, comme il était habile de ses mains, il s'est dit, je vais faire un hôtel de cases. Ça sera dans le style du pays et avec le confort moderne. Ces cases, c'était des véritables petits appartements. C'était joli, c'était agréable. Il y avait des fleurs partout, des allées avec des éclairages. Alors le mobilier était en bois,
est fait par le propriétaire de l'hôtel, par celui qui l'a construit. Alors on lui demande un petit peu ses tarifs et il nous dit on a un coussi-lit, si vous voulez, ça c'est pour les routards, enfin c'était pas cher quoi. Et on lui dit, et les cases? Ah ben les cases elles sont à 9000 francs par jour. Donc ça fait de 12-13 euros. Pareil qu'à Notre-Dame-de-Lorette, hein, c'était le même prix. Étonnamment, c'était dans nos prix. Alors bon, on n'a pas hésité. On a réservé déjà deux pour nous. Et puis on a été, on a été large. On a dit à notre chauffeur, écoute, on en prend une pour toi. Oh non, qui nous dit? Il était gêné, il était... Non, on peut, voilà, tu passeras la nuit, pas dans la voiture, mais tu vas avoir ta case à toi. On prend nos bagages dans la voiture, et puis on va s'installer chacun dans notre case. Alors, on avait les clés, c'était des portes avec serrure, comme une maison. On entre, alors il y avait le lit, il y avait une autre petite pièce, cabinet de toilette, douche, lavabo, toilette. Et puis au centre de l'hôtel, il y avait une sorte de grande tour avec une terrasse dessus et puis un toit de chaume pour prendre le petit déjeuner avec une vue panoramique sur l'ensemble. Et alors, surprise, le patron de l'hôtel, il nous dit, bah, je viens d'ouvrir il y a 2 jours, vous êtes pratiquement mes premiers clients. Alors, on était le 31 décembre. Alors, c'est important parce qu'il organisait pour son ouverture et puis pour la fin d'année, pour le passage à l'année d'après, bah, une fête le soir. Et on était conviés. Et il y avait aussi des gens de Banfora. Il devait y avoir des gens importants qui font des commerçants du coin et autres. Il avait réuni un petit peu tout le monde. Et donc encore une fois, on était dans une fête organisée. Alors on a passé une très bonne soirée. À 11h, on a quand même... chacun passait un coup de fil chez nous pour souhaiter la bonne année, parce que il y avait une heure de décalage là. Alors une heure de décalage, fallait pas appeler à minuit, parce que sinon ça aurait été 1 heure. On continue la soirée, et puis on s'installe après dans nos cases parce qu'on était crevés. Le lendemain, on était le 1er janvier, on a décidé de rester. Parce que vu le prix, et vu qu'on était bien, c'était calme, c'était de profiter un peu de ce cadre agréable avant de se remettre en route. Parce que là, après, c'était direction Poura. Hein. Le 2, on s'est remis en route tranquillement. Et sur la route, qu'est-ce qu'on voit? On voit un beau champ de coton. On n'en avait jamais vu. Hein. Parce que c'était la période... décembre, janvier, c'est la récolte du coton. On a fait des arrêts, on a été voir aussi des enfants qui s'occupaient d'emballer les balles de coton. Donc on a perdu un petit peu de temps comme ça. Surtout que, un petit peu après, on a presque assisté, parce que ça venait d'arriver, à un gros accident entre 2 camions, dont un qui s'était renversé. Parce que les accidents en France, y a un accident, il y a les secours qui arrivent, des panneuses et tout ce qu'il faut. Là-bas, ça prend des proportions. Donc des attroupements, tout le monde qui réfléchit, comment on va sortir le camion, comment... enfin, un spectacle.
Sur la route, on a donc perdu du temps, on a joué un peu les touristes, tout ce qui nous attirait l'œil, bah on s'arrêtait, on regardait, et le soir est vite arrivé parce que la nuit tombe assez vite là-bas. Et alors, on s'est retrouvé à Boromo. Boromo, le soir, bon, puis on voit un hôtel sur le bord de la route. Oh, il était moins classe que l'hôtel de Caz, mais. Bon, on avait besoin de s'arrêter, de se poser. Alors cette fois, notre chauffeur, il nous a dit, moi je dors sur la galerie de la voiture. Hein. Ah non, je quitte pas ma voiture. Parce que les chauffeurs là-bas, ils ont la hantise de se faire voler leur voiture. Bah, ils restent, ils dorment avec, ils ont la responsabilité de leur voiture. Donc on prend deux chambres. Et puis le directeur de l'hôtel, qui nous reçoit. Il nous dit, vous savez, je suis le maître des éléphants. Ah bon? Ah oui. Moi, les éléphants, ils me connaissent bien. Ah. Vous voulez aller les voir? Ben, il est peut-être un peu tard. Ah non, mais rassurez-vous, demain matin, allez voir les éléphants en liberté. Dans la nature, on n'avait jamais vu, hein, donc, bah oui, demain, on va voir les éléphants. Alors, on s'installe, on va au salon de l'hôtel, on prend un truc à boire, enfin voilà, et puis le directeur de l'hôtel, il nous fait un peu la discussion, hein, et il nous raconte qu'il avait recueilli un petit éléphanteau. Et ce petit éléphanteau, il se baladait dans l'hôtel. Il avait sa chambre, il avait son lit. Et puis il m'a dit, mais moi j'ai acheté des quantités monstrueuses de boîtes de lait concentré pour lui faire des biberons. Puis l'éléphanteau, il prenait un petit peu de poids, le lit, paf! Et puis après, c'était limite. Et puis un jour, là c'est un peu triste, il est allé au salon, il y avait des gens qui prenaient l'apéritif, et puis hop, il a pris un verre de whisky. Alors un éléphant, ça a l'air costaud comme ça, mais c'est excessivement fragile, et il est mort. Alors, il nous a raconté aussi que quand l'éléphanteau était dans l'hôtel, de temps en temps, il y avait des éléphants qui arrivaient et qui venaient voir, prendre de ses nouvelles. Alors, bah, ils ne rentraient pas par la porte, hein, mais bon, le lendemain, on prend notre petit déjeuner, puis après, bon, bah, le directeur de l'hôtel, il nous dit, bah, allez, on y va. Hein. Donc, on a pris notre voiture. Il nous a conduit, vous passez là, telle piste, tel machin. Je crois savoir où ils sont, parce que ils ont des habitudes, et moi je sais que à peu près à cette heure-là, je peux les trouver dans tel coin. Bon, on est arrivé, il y avait de la broussaille, il n'y avait pas de la forêt dense, mais ouais, il y a beaucoup de végétation. Et puis il nous dit. Là, on va s'arrêter là en voiture, on continue à pied. Ouais, parce que la voiture ne passait plus après. Hein. On continue à pied, un petit moment, on marche, on suit, il nous guide. Et puis d'un seul coup, par terre, on voit des empreintes de pattes, comme ça. Hein. Alors, on s'est dit, on approche là. Hein, Marcus qui était derrière, le guide devant, et au bout d'un moment, le guide il nous dit, hop, on n'avance plus, on bouge plus. Alors, Marcus il se demandait, et on voyait les broussailles s'agiter à une trentaine de mètres plus loin.
puis un éléphant, et puis deux, et puis des petits, et puis toute la famille qui était là. Et gros éléphant qui était en tête, il s'est retourné vers nous, et puis les oreilles, alors le guide il nous a dit, vous avancez pas plus là, hein. Là il nous tolère jusque là, mais après c'est danger. Hein. Et il nous a raconté qu'il avait eu un couple de Hollandais. Alors la femme, au lieu de rester sur place et puis d'observer de loin, elle a décidé d'avancer. Elle. Alors elle s'est approchée des éléphants, et puis il y a un éléphant qui l'a pris avec la trompe, et il l'a balancé en haut d'un arbre. Ah, le mari, qui était affolé, il court derrière, et l'éléphant d'un coup de trompe, hop, il l'a envoyé balader à 50 mètres de là. Alors il m'a dit, ces gens-là, ils ont eu une chance extraordinaire, ils s'en sont sortis vivants. Mais là, faut pas jouer à ça. Hein. Encore une fois, on devait rester qu'une nuit. Ben, pour voir les éléphants, on en est resté deux. Le lendemain matin, on s'est remis en route pour Poura. Alors la mine d'or, on ne savait pas du tout où elle était, on est allé vers Poura et puis on a trouvé les vestiges d'une ancienne mine d'or industrielle qui était complètement noyée par l'eau, c'était des galeries, c'était, voilà, il y avait juste 2-3 murs qui restaient, la manque de peau, hein, pour rien voir là. Alors on est reparti. Et puis il y avait une sorte de savane qui entourait le coin. Donc on s'est dit, tiens, surtout Marcus, j'essaierai bien mon détecteur quand même dans le coin. Alors on rentre dans un chemin, et puis on arrête la voiture. Marcus déballe son détecteur, le met en marche. Et puis il commence à détecter. Donc il est dans les champs, on va appeler ça des champs, ça devait être des champs de coton coupés. Enfin, il détecte. Donc là il est à l'aise, on le voit qu'il a sa petite pioche, et voilà, dès qu'il y a un signal, paf. Et puis, bon, bah, y a des gens qui arrivent. Il y a une personne, deux personnes. Enfin, comme ça se passe en Afrique, on arrive, il y a personne jusqu'à l'horizon. Et puis d'un seul coup, on est entouré. C'est ce qui s'est produit. Et puis, les gars là, qui venaient, qui s'approchaient, au bout d'un moment, non, c'est pas là qu'il faut chercher, qui nous dit. Parce qu'on leur avait montré le détecteur, ce que c'était, comment ça marchait, et voilà. Mais il faut venir avec nous, qu'ils nous disent. Nous, on est derrière la colline. C'est la mine d'or, elle est de l'autre côté de la colline. Oh, alors, ils nous ont conduits jusqu'à la mine, et là, on est arrivé. À perte de vue, il y avait des gens qui travaillaient, il y avait une poussière qui englobait tout le coin, parce qu'on est quand même dans la saison sèche là. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec la mine qu'on a vue précédemment, où ils travaillent à la rampe de lavage et ils arrosent avec des boîtes de conserve. Là, il n'y a pas d'eau. On est dans le Sahel. Alors, quand il n'y a pas d'eau, eh ben, on se sert de l'air. Et là, Orpailleur, ça va vous aider, parce que il y a peut-être des choses à faire dans ce domaine-là. Donc, ils prennent deux bassines. La première, ils la remplissent. La deuxième, ils la laissent vide à leurs pieds. Et puis, ils vident avec la plus grande distance possible, c'est-à-dire bras tendus, la première bassine qui est pleine,
Donc ils font tomber tout droit ce qu'il y a dedans. Donc forcément, le léger va pas tomber tout droit, mais va être dévié. Et le lourd, il va tomber tout droit. Donc par élimination, comme ça, quand la bassine pleine est devenue vide, on change et l'autre, hop, on la vide pareil jusqu'à ce qu'il reste plus grand-chose. Et puis après, on regarde dedans, voir s'il n'y a pas des pépites. Voilà comment ça se passe. Alors il creuse, c'était... Ouais, il creusait pas profond, hein. Faisait des trous normaux. Et donc, Marcus, il sort son détecteur, et puis il y a deux, trois gars qui sont avec. Tu devrais regarder là, tu devrais faire le tour ici. Donc, on sympathise, et puis il nous guide dans la mine. Là, peut-être, donc on fait tout le tour de la mine, voilà, enfin, Marcus fait tout le tour de la mine, à la recherche. Il va dans le trou des chercheurs d'or. Donc on passe un moment comme ça, mais bah, il trouve rien, hein. Il trouve rien. Alors bon, bah, on continue comme ça. Moi, je fais des images des gens qui travaillent dans la mine aussi, parce que ça, c'est passionnant à regarder, hein. Donc il y a pas mal de femmes qui travaillent, dont j'en vois une avec sa pioche. Elle a son bébé dans le dos et elle est courbée avec sa pioche. Et la lame de la pioche, elle arrive à 10 cm de la tête du bébé qui est dans son dos. Bah, c'est des trucs incroyables qu'on n'imaginerait pas faire en France, quoi. Alors, le temps se passe comme ça, et puis Marcus, il décide de faire une petite sieste, parce qu'il était crevé, la chaleur. Bon, décembre, janvier, il fait chaud par rapport à la France, c'est sûr, mais bon, il fait pas plus chaud que chez nous en été. Mais bon, il se met sur le siège de la voiture. Et puis hop, il pique son petit roupillon. Alors au bout d'un moment, bon, bah allez, je lui dis, il faudrait peut-être faire quelque chose. Bon. Et puis il y a les gars qui arrivent, ils devaient faire une pause, je sais pas quoi. Enfin bon, puis pour voir la voiture, pour voir le détecteur, pour. Marcus, il se réveille. Ils discutent un petit peu avec eux, ils demandent s'ils en ont trouvé, si... Alors il y en a un, il sort une pépite de sa poche, il lui montre, Marcus, elle lui donne des idées, et il avait sa petite balance, il avait tout. Donc il essaye de négocier pour lui racheter, et puis il y en a un autre qui arrive, moi aussi j'en ai, et puis... Comme ça, la voiture, elle est entourée. Marcus, il avait posé sa balance sur le capot de la voiture. Il avait sa machine à calculer de l'autre. Et puis, il était vraiment assailli partout. Et là, j'ai pensé quand même qu'il avait un peu peur parce qu'il se demandait où ça allait s'arrêter tout ça. Marcus, il a dû vouloir négocier trop. Les affaires ne se sont pas faites. Et puis d'un seul coup, on sent une pression, une tension autour des gars. Il y en a qui commencent à s'éloigner, à partir. Et puis il y en a un qui nous a suivis pendant un moment, qui nous a guidés, montré tous les trous dans la mine et tout ça. Il nous dit, bon là, on va peut-être être obligé d'arrêter. Ça parce que il y a l'acheteur d'or qui vient d'arriver. Effectivement, il y avait un deuxième 4x4 qui s'est garé pas loin du nôtre. Et là, on sentait vraiment que. Et le gars, il nous dit, si on vous vend à vous,
lui, il ne nous achètera plus. Alors, comme c'est notre gagne-pain, comme c'est notre salaire, on n'a pas envie de le décevoir. Alors Marcus aussi commençait à avoir des doutes, dire voilà comment on va faire. Tu détectes, ça il s'en fout, tu passes le détecteur, il est là pour acheter l'or, pas pour préserver les lieux. Hein. Alors, on passe une heure ou deux comme ça, enfin, Marcus décide de partir. Mais les gars, il dit, demain, il faudra venir, demain. Marcus dit, non, demain, on ne vient pas. Je ne le sens pas, je ne suis pas à l'aise. L'expérience de Poura s'est arrêtée là. Alors bon, on a repris le chemin, on est sorti de la mine, on avait vu ce qu'on voulait voir. Marcus était un peu déçu parce qu'il pensait trouver de la pépite tout de suite. Et voilà, alors je lui ai dit, écoute Marcus, c'est pas bien grave. On a fait une erreur. On a vu pas mal de choses. La mine, on l'a vu, on a essayé. Il n'y a rien eu. Moi, je te propose autre chose. Je connais bien Coupella. J'ai des amis là-bas. Je sais qu'il y a de l'or aussi. Donc, on va revenir dans l'est du pays. Donc, je lui ai refait ce qu'il m'avait fait en Australie. Hein. On a retraversé tout le pays. Mais bon, c'est moins grand, hein, le Burkina Faso. Et puis, sur la route du retour en direction d'Ouaga, il me dit, il y a Bernard Van Pel, il faudrait prendre contact avec lui parce que j'aimerais bien aller voir sa mine. Et puis lui, il était totalement dans l'Est aussi, hein, pas loin de Coupella. Il devait être à 50-60 km de Coupella. Donc, on revient direction Ouagadougou, et puis on s'arrête à Ouaga pour essayer de trouver Bernard Van Pel. Alors, à Ouaga, il y a une avenue, il y a principalement que des bureaux de mines. Il y a les Australiens, les Américains, il y a les Européens, ils sont tous là, mais c'est des mines industrielles. Alors on est rentré dans des bureaux, on est tombé chez les Canadiens, et puis on explique notre cas, on cherche un ami qui a une mine d'or dans le pays, et puis qui s'appelle Bernard Van Pel. Bon, connaît pas. Personne ne connaissait. Alors on commençait à désespérer un petit peu. Et Marcus, il essaye encore une fois de l'appeler sur son portable. Et là, ça marche, il l'a au bout du fil. Ah Bernard, je suis content. Et si on allait dîner ce soir ensemble, je suis sur Ouaga là ce soir, donc on va, vous venez à l'hôtel où on est, parce qu'il était Bernard Van Pel, il était avec son associé Guy, ils étaient deux à exploiter la mine. Et donc on passe une soirée au resto. Et il nous explique où se trouve sa mine. Voilà pour l'épisode 4, parce que c'est pas fini, c'est loin d'être fini, ça vient de commencer. Donc dans l'épisode prochain, on se mettra en route vers Coupella, et la suite nous dira ce qui s'est passé. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, pouce bleu, et puis commentaire. Alors, on se retrouve pour la suite dimanche prochain. Allez, passez une bonne semaine, au revoir.